أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا وعلينا محمدًا عبده خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني أحييكم تحية الإسلام تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال il y a quelqu'un qui prie et qui yasbaq l'imam. Donc quand il fait la prière, il passe avant l'imam, avant que l'imam dise Allahu Akbar yarka avant le tahoul l'imam. Et quand l'imam il se lève, mais l'avocat se lève de la... Il dit Samir Allah et Mulhamda, lui yasjad. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ama yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla l'imam an yaj'al Allahu suratahu surata himar. Quelqu'un d'entre vous ne craint pas, ne craint-il pas quand il lève sa tête avant que l'imam se lève, qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme son image en image d'âne. C'est grave, c'est très grave que la personne dépasse l'imam fait ça. Cheikh Al-Faymi, rahimahullah, yara anna salata batila. Celui qui fait ça, salat ou batila. C'est-à-dire sa salat est invalide, il faut qu'il la refasse. Omar ibn Khattab, il considérait, radiallahu anhu, il considérait alladhi yasriqu fi salat, yasriqu fi hayat. Celui qui vole de sa prière, c'est-à-dire yasbaq l'imam, sachez qu'il est un voleur dans la vie. L'un avant Allah, il s'appelle salat. Salat ou ghaf hayat. يحذر من هذا. Il faut faire très attention les frères. Cela c'est quelque chose de très important. C'est pas quelque chose de ce qu'on disait toujours pour le khutba ya ikhwa. Anna salat ya ikhwa doit être la centralité de votre vie. Pareil le frère il m'appelle, enfin, il pose une question, il dit je peux pas faire la prière salat al-fajr. Je sors au travail et salat al-fajr m'arrive quand je suis au travail. Comment je fais? Et tu me demandes à moi comment tu fais. Si tu veux fumer une cigarette, tu demandes à ton patron. Si tu vas aller aux toilettes, tu demandes à ton patron. Salat, salat al-fajr. Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr, ikana mishmouza. Vous savez, il y a pourquoi on pose ces questions-là? On pose ces questions-là parce qu'on ne connaît pas la valeur de la salat. Tout simplement. Parce que quand on veut faire quelque chose, on trouve des solutions. Et quand on ne veut pas faire quelque chose, on trouve des excuses. Salat, c'est khams daqaiq. Personne ne t'empêche. Si tu fais ton boulot correctement, personne ne t'empêchera. Ça allait dire, oui, je sais. Et après, tu fais quoi? Quand je fais le ménage à Carrefour, là. Je crois que tu étais chirurgien, moi. Si tu es chirurgien, tu es sur la table d'opération, ben là, c'est dit, mais... Et attends, pour 5 minutes, tu ne peux pas trouver 5 minutes. Tu ne peux pas demander à ton patron 5 minutes pour faire ça. On vous dit pourquoi on pose ces questions-là? Parce que ça là, tu n'es pas dans notre cœur, ailleurs. On ne connaît pas la valeur de la liaison avec Allah. Alors, salat, c'est là. C'est ce qu'on disait il y a des fois. Quand on m'a offert un bague en or pour les hommes. Une bague en or pour un homme, on lui a offert une bague en or. Alors, sous sa salle d'un jour, il s'est levé, قال هذاني حرام على رجال أمتي. Il a pris une étoffe de soie et il a pris de l'or. قال هذاني, ces deux choses-là, sont interdites pour les hommes de ma communauté. الحرير للنساء والذهب كذلك للنساء. Donc est-ce qu'ils doivent mettre la bague en or? Non. Un homme ne met pas une bague en or. Il met une bague, alors ça c'est un canard de khatim, il n'y a pas de problème. Mais pas en or. قال صلى وجرحه ينزف دما. En fait, il avait une plaie et ثبت أن عمر بن الخطاب صلى وجرحه ينزف دما.
ثبت أن عمر الخطاب لما في صفحيات إلا من البلين في تلي. لكن الدم بجرد لما يكون في جهة للصام يتم سويو يفو سرابي. Par exemple, quelqu'un qui va saigner du nez quand il est en prière, il doit s'arrêter. Elle dit, il a perdu le dos. Il a perdu le dos ? Non, il n'a pas perdu le dos. Il n'a pas perdu le dos. Il a saigné, il va se nettoyer, il va enlever, il va arrêter le saignement, se nettoyer, enlever le sang. Le sang est une souillure, effectivement. Il sort, il enlève le saignement, il arrête le saignement, il enlève le sang est une souillure, il revient faire la prière. Mais si le saignement est léger, il n'y a pas de problème. Quand il le met, celui qui travaille dans le sang, qui travaille dans un boucher par exemple, il, a toujours, il enlève le maximum de ce qu'il peut. Il enlève le maximum de ce qu'il peut et il fait sa prière. Un frère m'a rappelé sur ce que j'avais dit il y a une Jumu'a ou deux en arrière, il y a des croix, sur Salat al-Maghrib. On vous souvenez, on a dit que Salat al-Maghrib, waqtuha. صلاة المغرب وقتها الضروري وجد كاكا صلاة صلاة الصبح صلاة الفجر في زاوية الأعذار في قناة الدين كل هذه الأخرى قال كيف يا شيخ حتى تشتغل إلى فرق كيف لما أنت مجيش في فرق طيب هو مرة كسر قلنا لذوي الأعذار كم منهم ذوي الأعذار إن فهم فاهم يا سيمون سوي الفي فرقية Mais si les menstrues s'arrêtent vers minuit, quelle salat elle refait? Elle refait salat al-Maghrib et salat al-Isha, mais elle ne refait pas l'Asr. Parce que salat al-Maghrib, son temps il va aller jusqu'à salat al-Fajr. Le frère il nous dit, on a fait la prière, non. Je n'ai pas compris ça. Maghrib après, elle a Ah, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que je m'exprime mal. Non, c'est ça. Salat al-Maghrib jusqu'à Salat al-Isha. Ok ? Al-Waqt al-Daruri, al-Waqt al-Ikhtiyari taha, al-Ain d'Imam Malik, qadra tahqiqi shurutiha, c'est un quart d'heure. C'est-à-dire que son temps est très court. Al-Waqt jusqu'à Salat al-Isha. Mais pour la Salat al-Maghrib, al-Waqt al-Daruri, le temps obligatoire pour les gens qui ont des excuses, il va jusqu'à Salat al-Fajr. Et j'ai dit, c'est qui sont les gens qui ont des excuses? Par exemple, Insel Bourma Ali, quelqu'un qui était dans le courant. Il se réveille à minuit. Quel salat il refait? C'est le Mahra. Il ne refait pas l'Asr. Une femme qui a ses menstrues, et les menstrues s'arrêtent à 11h du soir. Quel salat elle refait? Elle m'a répondu à l'Isha. C'est clair? Voilà. On avait dit pareil aussi, il y a un frère qui me dit, je n'ai pas compris. Le délai de viduité d'une femme qui a perdu son mari, قبل البناء. سي كوا؟ شحال الحاج؟ نعم 14 شهور. Elle a perdu son mari. Alors, ils se sont mariés. Et ils ont fait ce qu'on appelle l'ahlal, il a donné sa dot, il a pris son argent, tout ça. Et puis, il n'y a pas eu de consommation de mariage et le mari est mort. Est-ce qu'elle a un délit de vivité ou de là? Non. 14 شهور و 10 شيء أمر. Faites attention les frères. Hadha mashi talaq, hadha mashi talaq. Lanna law kan talaq, ma fiha idda. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. S'il avait divorcé, il n'y a pas de délai de viduité. Mais là, c'est un décès. Le gars, il a fait le mariage, mais il n'a pas consommé le mariage, il est décédé avant. Est-ce que la femme a un délai de viduité? Naam. Combien? 4 mois et 10 jours. Est-ce que la femme hérite de son mari? Naam. Elle est considérée comme sa femme. Elle est sa femme. Elle est sa femme. C'est bon les frères? C'est juste des rappels parce qu'on en a parlé et des frères m'ont posé la question. Donc le décès, ce n'est pas un talaq, ce n'est pas un divorce. Quand un homme perd la vie avant la consommation du mariage, hein, il doit la femme à un délai de viduité, elle est sa femme, à un délai de viduité de 4 mois et 10 jours. يعني أربعة أشهر وعشر لا تتزوج. نقول الدواء ده سماحية بكل كندل. وتالي ال son son sa partie sa part d'héritage. Voilà, je vais m'arrêter là. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم استغفروا لي لكم. إن هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سوره غافر ايها الاخوه، يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله سبحانه وتعالى nous demande de quoi? De l'invoquer. Si tu l'invoques, il va répondre à l'invocation. Celui qui s'enfle d'orgueil en imitant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, regardez bien, ayyuha al-ikhwa, fi al-aya, قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي. Ceux qui s'enflent d'orgueil en n'adorant pas Allah, ceux-là, ils vont rentrer en enfer. Et ils rentreront en enfer avec ceux qui vont entrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, إن الذين وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما قالش إن الذين يستكبرون عن دعائي. On n'a pas dit ceux qui s'enflent d'orgueil en évitant de m'invoquer. On n'a pas dit ça. قال ceux qui s'enflent d'orgueil en évitant de m'adorer. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء, l'invocation, c'est ça l'adoration. لما أيها الإخوة؟ Pourquoi? Quelle différence y a-t-il entre la croyance musulmane et la croyance matérielle? Si vous faites les écoles philosophiques, comme dit Descartes, ce qui est en dehors de l'empirisme, ce qu'on ne peut pas mesurer d'une manière scientifique, et ce qu'on appelle le rationalisme cartésien, ce qu'on ne peut pas mesurer d'une manière rationnelle, pour nous c'est un doute. C'est ce que dit Descartes. Et la base de la réflexion matérialiste, c'est ça. C'est-à-dire que quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne peux pas mesurer, tu n'y crois pas. Or, la différence avec le musulman, c'est ça. Alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. La première chose dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé en décrivant ceux qui croient en Allah, c'est quoi? يؤمنون بالغيب. Il croit à l'invisible. ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. La base de notre croyance, ayyuha al-ikhwa, أننا نؤمن بالغيب. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى غيب وأن الملائكة غيب وأن الجنة غيب وأن يوم القيامة غيب وأن القدر خيره وشره غيب أيها الإخوة. La différence fondamentale entre un musulman et un non-musulman, c'est ça. Ce que nous faisons, tous nos actes, tout ce que nous faisons, ayyuha al-ikhwa, est caractérisé par cette croyance qui est la croyance en l'au-delà, la croyance en Allah, en l'éternel, la croyance en un Seigneur éternel qui est omnipotent et omniscient, ayyuha al-ikhwa. Toute la différence, elle est là. Pourquoi nous respectons nos parents? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande, ayyuha al-ikhwa. Pourquoi nous faisons nos cinq prières? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, si vous voulez être bien entre vous, dans votre intérieur, et si vous voulez avoir une meilleure relation et l'agrément d'Allah, faites les cinq prières. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهِ يَنْسَهِ وَالنِّسْيَانِ يُوَلِّدُ الْخَطِئَةِ. Et celui qui ne se rappelle pas à Dieu, il va oublier. Il oublie. Il induit quoi? Il induit le ma'asiyah. Il induit le péché. Il induit l'erreur. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا نَحْنُ نَعْلَمْ بِأَنَّ كُلُّ شَيْءٍ بِيَدِ اللَّهِ. Nous croyons que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء يرد القضاء. إن الدعاء يرد القضاء. الدعاء, quand tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu invoques Allah, pourquoi quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un adorateur parfait? Pourquoi quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux renvoyer le destin? Pourquoi? إنك لن تدعو من لا تعرفه. إنك لن تدعو من لا تظن فيه أنه موجود. Quand tu vas demander quelqu'un pour qu'il te fasse quelque chose,
Tu es sûr que cette personne, elle peut te faire quelque chose. Elle peut te pistonner pour avoir un poste. Elle peut te pistonner pour avoir... Donc tu crois en elle. C'est pour ça que quand tu demandes à Allah, ça veut dire quoi? Tu crois en lui. Tu crois en sa puissance. Tu crois en son omnipotence. C'est ça ce que ça veut dire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, لَمَّا تَدْعُوا اللَّهَ تَعْرِفُهَا وَإِنَّكَ مِنْ شُرُوطِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Parmi les conditions de la ilaha illallah que les savants ont citées, al-ilmu, wal-yaqinu, wal-ikhlasu, wal-mahabba. Les conditions de la ilaha illallah, al-ilm, il faut que tu saches qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yaqin, la certitude qu'il existe et que tu vas le rencontrer. Al-ikhlas, la sincérité dans tes actes. Wallah subhanahu wa ta'ala yudkhiluka insha'Allah al-jannah bima akhlasta min amalik. فلو عاملنا الله سبحانه وتعالى بعدله لن يدخل الجنة أحدا منا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Personne ne rentrera au paradis par ses œuvres. قالوا même toi يا رسول الله؟ قال même moi. Sauf si Allah me comble par sa miséricorde. Regardez bien, أيها الإخوة. إنك لما تدعو الله ou anta fi kurbah, quand tu es dans une situation difficile et que tu demandes à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yastajibu lak, Allah subhanahu wa ta'ala il répond à ton invocation, fa innaka ta'lam bi anna Allah huwa ash-shafi wa huwa al-kafi wa huwa ar-razzaq. C'est Allah qui descend la guérison, et c'est Allah qui te suffit, et c'est Allah qui te donne, et c'est Allah qui enlève, et c'est Allah qui lève. Wa ma ramayta idh ramayta walakinna الله رمى. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر. في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم il voit les mécréants en face de lui. Il prend une touffe comme ça de sable et il dit bismillah. Il la jette sur les mécréants. Une touffe de sable. Et ils avaient tous la poussière dans les yeux. Ils avaient tous la poussière dans les yeux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا رميت أنت إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فستعرف أنك فقير إليه. هذه هي العبودية أيها الإخوة. العبودية عبادة الله أن تعرف فقرك. Que tu reconnais que tu es faible, que tu as besoin, que tu es indigent, que tu as besoin de lui. Et c'est pour ça que tu le demandes. وقال ربكم دعوني أستجب لكم. في القرآن الكريم أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى عشر آيات. Il y a une dizaine de ayats où Allah subhanahu wa ta'ala il yaqul yas'alunaka 'anil mahyid, il te questionne sur le menstrue, qul huwa adha, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima adha, yas'alunaka 'anil ahilla, il te questionne sur les lunes, qul hiya mawaqitun lin nas wal hajj, ce sont des horaires pour les gens, wal hajj, yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. À chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala il descend le mot yas'aluna, qui te questionne, il dit au prophète qul ya Muhammad, dis-le, sauf dans une ayah wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, si mes serviteurs te demandent après moi, je suis prêt, tout prêt, qareeb ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, celui qui m'invoque je lui réponds, falyastajibu li وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il me répond يَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا, qui croit en moi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit crois en moi alors que quand tu fais le dua tu es croyant? لِأَنَّ الدُّعَى Allah subhanahu wa ta'ala مِنْ أَدَابِ الدُّعَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ يُنْزِلُ عَلَيْكَ مَا تَطْلُبُهُ وَقَدْ لَا يُنْزِلُهُ عَلَيْكَ رَحْمَةً بِكَ وَقَدْ يُؤَخِّرُهُ لَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois choses. Soit Allah subhanahu wa ta'ala te donne tout de suite ce que tu demandes. Soit Allah subhanahu wa ta'ala te le donne pas. Pourquoi? Parce qu'il le donne quand lui veut, pas quand toi tu veux. Mais il te le donne si c'est bon pour toi. C'est lui qui t'a créé. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. C'est lui qui sait. C'est lui le subtil. Et c'est lui l'expert. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Et quand tu sais que كُلُّ الْأَمْرِ بِيَدِ اللَّهِ أَنْتَ تَرْتَاحْ يُوَ الْأَخِ الْكَرِيمِ أَنْتَ تَرْتَاحْ. قال العلماء
من آداب الدعاء أيها الإخوة، من آداب الدعاء مع الله سبحانه وتعالى. شو دوني quelques éléments أيها الإخوة، باش الإنسان quand il a une courbe، quand il a un problème، quand il demande à Allah سبحانه وتعالى، il faut qu'il sache qu'Allah سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأدب مع الله وستجد أن الله معك. قال العلماء للدعاء أدب. Quand tu invoques Allah سبحانه وتعالى, quand tu es dans une situation difficile, invoque Allah سبحانه وتعالى, mais il y a quelques règles à respecter. الأولى أيها الإخوة أن تقدم صدقة بين يدي الله. La première chose, c'est que tu donnes une aumône, tu fasses une aumône. Pourquoi ? من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. Avant de demander quoi que ce soit à Allah سبحانه وتعالى, fais une aumône, fais une sadaqa. Fais une sadaqa pour les gens qui sont dans le besoin, Allah سبحانه وتعالى يحسن إليك. La deuxième chose, حاول أن تكون لوحدك. Sois seul quand tu demandes à Allah سبحانه وتعالى. Sois seul quand tu demandes à Allah, essaye de t'isoler et d'avoir ce moment propice où tu es, il n'y a que toi et lui. La troisième, حاول أن لا تخبر أحد. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Je ne me plains et je ne plains ma tristesse car Allah سبحانه وتعالى. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Ça c'est Sayyidina Yaqub. Quand ses enfants sont venus lui dire, est-ce que tu es triste parce que tu as perdu ton deuxième fils? قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Je me plains à qui? Pas aux gens. Je ne vais pas dire aux gens, je suis malade, toute la nuit je n'ai pas dormi, mon fils il a fait ça. Non, non, non. Plains-toi à lui. Plains-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. La tashku amraka li ahad. Wa la tatlubu ahad. Wa sayatika Allahu bil faraj. تحاول أن لا تخبر أحدا أن تكثر الذكر لله قبل الشكوى. تمنصر الله يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أن يكون لسانك رطبا لذكر الله. تمنصر الله طول temps plusieurs fois avec ses noms et attributs que tu connais ou tu connais pas, et comme ça tu commenceras à connaître Allah سبحانه وتعالى. تحاول أن تتوخى اسم الله الأعظم. Essaye de connaître le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ismallah al-Ahdam, le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans trois ayats. La première fait ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La deuxième fait surat al-Imran, Allahu la il-flamim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Et la troisième fait surat Taha, wa'anati al-wujuhu lil-hayyu al-qayyum. Idhan, الله لا إله إلا هو الحي القيوم ممكن أن يكون اسمه الأعظم فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى إلى دينون سبخير لبو نون الله سبحانه وتعالى alors invoque-le par ses noms. الإلحاح في الدعاء والشكوى. Insiste quand tu fais un دعاء, insiste auprès d'Allah et ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il entend comme ses créatures. Attention, tu fais cette erreur, frère. Que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand il entend, c'est comme les hommes. Allah il entend. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah il entend. Il est audient et omniscient. Il voit. Mais il n'entend pas comme nous. Allah subhanahu wa ta'ala il entend avec l'audience de la seigneurie, ayyuha al-ikhwa. C'est-à-dire, ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala يَرْزُقُ النَّمْلَةَ السَّوْدَى فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَةِ عَلَى الْحَجْرَةِ الصَّمَّةِ. Allah subhanahu wa ta'ala il apporte la subsistance, il apporte la subsistance à une fourmi noire qui est sur une roche, qui ne parle pas et dans au milieu de la nuit noire. لَا تَظُنْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْمَعُكَ. الله سبحانه وتعالى قريب منك فادعوه مخلصين له الدين. الإلحاح في الدعوة في الدعاء والشكوى لله. سابعا الاستغفار. استغفار وإدخال دعاء سيدنا يونس في الدعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في ces étapes-là, et tu verras Allah سبحانه وتعالى comment il t'apportera réponse et guérison, ayyuha al-ikhwah. Guérison pour ce que tu as dans ton cœur. Pour ce que tu as dans ta poitrine. La ilaha illa anta. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban.
فظن أن لم نقدر عليه. ظنون سي يونس إلي بارتي أون كولير. Il pensait qu'il a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent. فنادى في الظلمات. أي ظلمات؟ Il a appelé dans les ténèbres. Mais quelles ténèbres? Il y avait trois ténèbres. Il était dans les ténèbres de la nuit, au fond de la mer et au fond du ventre de l'animal marin. فنادى في الظلمات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dernière chose, أيها الإخوة, أن يتوخى الإنسان أوقات الإجابة. Que tu entends et que tu essayes d'esquisser ou de trouver les temps où Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète vous a indiqué des temps propices où Allah subhanahu wa ta'ala il répond à ton invocation. Ma hiya, al-sahab, dernier tiers de la nuit, lève-toi avant salat al-fajr, fais des du'as. Yom al-jumu'a, wa la'allaha hadhihi sa'a, peut-être que cette sa'a, maintenant quand l'imam il fait le prêche, d'autres ont dit après salat al-asr, d'autres ont dit après salat al-fajr, c'est pas grave, yom al-jumu'a, ud'u Allah subhanahu wa ta'ala. متى عند نزول المطر quand il pleut متى بعد الصلاة après la prière الدعاء مستجاب متى عند التشهد الأخير quand tu as fini التشهد fais des دعاء demande متى الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الوالد لولده والأم لابنها la mère quand elle fait des invocations à son fils et le père quand il fait des invocations à son enfant الله سبحانه وتعالى il exauce أيها الإخوة حين الإفطار. Si tu jeûnes le lundi et le jeudi, si tu jeûnes un jour de semaine, avant de mettre la petite date ou la petite tête ou quelque chose que tu vas mettre dans la bouche, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, invoque-le, et tu verras Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans parler des endroits quand tu vas, fi mahallihi, chez lui, dans sa maison, al-masajid buyutullah, wa akbar bayt lillah wa bayt al-haram. Tu ne peux pas aller là-bas et le demander, wa yarduka khaiban, abad. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم من أمر رسول الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. Celui qui lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a ouvert les portes de la miséricorde. فانغمس في رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال العلماء أيها الإخوة, قال العلماء, صلاة الاستخارة وصلات الحاجة, la prière de consultation et la prière de besoin. مندوب, وش معنى مندوب؟ C'est une recommandation. Autrement dit, si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Mais si tu le fais de temps en temps, c'est bien. Mais si tu ne le fais jamais, tu rentres dans le péché. Pourquoi? Mais qui suis-je moi pour ne jamais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me guider? Qui suis-je moi pour ne pas lever les mains à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander? Certains d'entre nous, ayyuha al-ikhwa, certains d'entre nous sont pudiques. Ils disent, moi je suis rempli de péchés. Je ne peux pas lever les mains à Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam akhi, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'appel de Satan. Qala anzirni ila yawmi yub'athoun. Qala innaka min al-mundarin. Satan il a demandé un délai. Allah subhanahu wa ta'ala dit, maintenant tu es loin de ma miséricorde. Place, tu es sorti. قال يا رب انذرني الى يوم يبعثون laisse-moi le temps jusqu'au jour du jugement dernier. قال فإنك من المنذرين. الله سبحانه وتعالى il a laissé le temps. إبليس الذي تكبر على الله, إبليس qui a été rempli d'orgueil. Faire attention أيها الإخوة, comme moi je dis moi je suis moi أول من قال أنا moi je suis mieux que lui, le premier qui a dit ça, إبليس لعنه الله. الله سبحانه وتعالى il a répondu à son invocation, à sa demande. Et comment il ne peut pas te répondre à toi, frère? Al Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant une tombe. Il leur dit, Wallahi, la rak'atan lihada. Deux unités de prière pour celui qui est dans la tombe. Khayrun lahu min dunyakum. Il souhaite revenir sur terre et faire deux unités de prière. Et pour lui, c'est meilleur que tout ce que tu vois sur la terre. Tout ce que tu lui donnes sur la terre, il laisse de côté. Rak'atan, ayyuha al-ikhwa. Deux unités de prière. La dernière chose, ayyuha al-ikhwa, anna Allah subhanahu wa ta'ala, idha aradta an tad'u Allah, hatta yastajib Allah du'a'uk. Ja'a rajul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala ya Rasulullah, idha Allah an yakuna mustajab al-da'wa. Demande à Allah, pour qu'il exauce mes invocations. Qala atib mat'amak, takun mustajab al-da'wa. Atib mat'amak, mange pur. Je suis malin pur, mange halal. Pas la viande égorgée, hein, les frères. Hein?
mange halal. Quand tu doutes sur la provenance d'un bien, quand tu doutes sur la provenance de l'argent, ne consomme pas cet argent. Quand tu as un doute, laisse-le de côté. Tu seras un être pur. Et quand tu lèves la main, Allah subhanahu wa ta'ala, t'estajibu du'a. وأن تتوب من المعاصي دعاء سيدنا سليمان في سورة صاد قال ربي اغفر لي إلى demander le pardon à الله سبحانه وتعالى il s'est repenti à الله سبحانه وتعالى قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي il a demandé à الله سبحانه وتعالى le pardon et qu'il lui donne quoi qu'il lui donne une royauté et un pouvoir que personne après lui n'a eu qu'est-ce qu'il lui a donné à الله سبحانه وتعالى سخر له الجن Il avait les djinns à sa disposition, qui lui construisaient des palais, qui allaient au fond de la mer pour chercher des perles. Les djinns qui pouvaient chercher quelque chose en un clin d'œil, qui traversaient les mers. Sakhara lahu rih. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à Salomon, il lui a donné, c'est Salomon, le roi Salomon et le roi David. Ce sont les deux rois prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Khasatan Sayyidina Sulaiman. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attrapé un djinn, shaytan, dans la mosquée. Et il a dit au compagnon, la oula du'a au Sayyidina Sulaiman. Si c'était l'invocation de Sayyidina Sulaiman, je l'aurais attaché à un poteau comme ça dans la mosquée et vous l'aurez vu le matin. Mais Sayyidina Sulaiman, il a demandé à Allah quelque chose que personne après lui n'aura. Et bien justement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les djinns, il a donné le vent, il lui a donné des choses extraordinaires. Et ma'a hada, قال ربي اغفر لي. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم ان في حسن تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الامل وفي حلمك ما يسد الخلل وفي عفوك ما يمحو الزلل فاللهم تولانا بولايتك واكرمنا بكرمك وعاملنا بحلمك واعف عنا بعفوك عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وما تقولون